Idam savam yad kim ka sagatyam sagat tenam taik tenam bunjita mangrindram kasya vitanam. Appuyez les mains sur le sol. Doucement, en inspirant, repliez les deux jambes vers la poitrine, basculez le bassin. Et quand vous revenez doucement. Là, le yoga, ça doit être la tradition. Les premières traces, il y aurait 14 000 ans, selon certaines sources, d'autres 8 000, d'autres 5 000, enfin voilà. Hein, on peut voir différentes origines. Ce n'est pas très important, en tout cas, c'est très ancien. Il y a 3 000 ans, ça a été mis en sanskrit, puisque c'est à peu près la date hein, du sanskrit. Et donc il est là entier, depuis au moins 3000 ans, en preuve écrite. En inspirant, ouvrez les bras, tournez, les pouces en contact, tirez arrière, expire en avant, attrapez les mollets avec vos deux mains, vous finissez l'expiration. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que dans une culture indienne, qu'on a vraiment essayé de mettre en pratique les textes, et de voir s'ils ont s'il y a une quelconque possibilité de vivre cela. On a tellement de mélanges, de certains qui font uniquement le yoga, le pranayama, de la respiration, d'autres qui font que de la relaxation, d'autres qui font que des postures très physiques ou pas. Et en fait, on ne peut pas enlever une chose. Ça doit vraiment être un package. Il faut vraiment prendre chaque étape du yoga et les rassembler dans une même pratique. Le travail du corps au préalable, des postures faciles, des postures abordables à tout le monde, d'étirement, pour travailler l'étirement du corps, pour travailler les muscles, pour travailler l'assouplissement dans des postures assises, debout, couchées, à l'envers, etc. Un travail de relaxation entre chaque posture, un travail de respiration, prendre conscience de son souffle, et vraiment après une heure et demie de travail de yoga asana, de yoga des postures, là on pourra aborder la relaxation un peu plus profonde, voire un yoga nidra, donc un travail de visualisation éventuellement, pour éventuellement après travailler sur la méditation. Sentez que le poids est légèrement placé sur les orteils, sur l'avant des pieds. Sentez la nuque complètement défaite. Sentez que sur chaque expiration, votre ventre rentre. Et que votre corps, sur chaque expiration, se relâche un peu plus. Vous inspirez bien. Expire, pliez la jambe en avant, ouvrez la poitrine, tirez les bras jusqu'au bout des doigts. Et je referme. Relax tranquillement. Et relâchez les bras, relâchez la tête, laissez aller le corps en avant, glissez les mains en avant. Voilà. Et à la fin, tu lèves la tête. Et on creuse bien entre les omoplates. On essaye de bien sentir, mais les bras restent tendus. Voilà, t'as vu, ça reste, reste là. Regarde le plafond. Allez-y, continuez. Voilà, c'est parce qu'on va être conscient du corps qu'à fur et à mesure, parce qu'on va être conscient du souffle, eh bien, on sera conscient de notre mental. Parce qu'à un moment donné, puisqu'on va être attentif à chaque espace, eh bien, on va capturer la pensée et on va la mettre ici et maintenant. Parce que le problème, c'est pas de ne pas penser, c'est d'être à l'aise avec ses pensées. Et que la méditation, c'est pas être assis en méditation pendant des heures au sommet d'une montagne. La méditation, c'est notre état naturel. Nous sommes la méditation. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que les gens disent c'est trop dur de méditer, parce qu'ils cherchent quelque chose et qu'il n'y a rien à chercher. C'est ce que nous sommes. Seulement, on n'est pas conscient si notre mental est agité, parce que là est vraiment le grand problème, puisqu'on est dans une époque où les gens pensent de plus en plus vite, où ils voient plein de choses autour d'eux, de plus en plus d'images, de plus en plus d'informations, et ils observent beaucoup à l'extérieur, font beaucoup de commentaires à l'extérieur, et ils ont peur de se retrouver eux-mêmes.